mie mila este oare. Itapua? Gratuit. Itapua? Gratuit. Leo, est-ce qu'on gratuit? Airtel, vos services n'ont jamais été aussi médiocres et chers. Mémorandum de la Louja adressé à Airtel Congo. Monsieur le directeur de la société Airtel RDC pour la région Est, sur invitation de l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Congo, le mercredi 22 mai 2019, une délégation de notre mouvement avait échangé à Goma avec des représentants de la société Airtel en présence du maire de la ville de Goma, du procureur de la République près les parquets des grandes instances de Goma, les délégués des bourgmestres des communes de Goma et de Karisimbi, ainsi que des représentants de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Les échanges avaient porté sur les revendications portées par notre mouvement au sujet de la qualité et du coût des services offerts par les opérateurs de téléphonie œuvrant en République démocratique du Congo. Lors de celle-ci, tous les participants étaient unanimes sur le fait que les services offerts par Airtel, appels téléphoniques, SMS, mobile banking, data ou connexion sont des qualités peu satisfaisantes et malheureusement avec des coûts extrêmement élevés. Un délai de 30 jours avait ainsi été convenu entre les parties en vue de pallier au déficit relevé et ainsi permettre à tout le peuple congolais à une utilisation sereine des services de télécommunication. Plus de 3 mois après cette réunion, les résolutions prises conjointement ne sont malheureusement pas intégralement mises en œuvre par l'opérateur de télécommunication Airtel. À la lucha ! À la lucha ! Sur le plan qualité et du coût des services, le passage de la 3G à la 4G n'a eu qu'un effet d'annonce. Aucune amélioration substantielle dans les heures vespérales est pratiquement impossible. Et de se connecter à Internet, c'est impossible, ni d'envoyer un SMS ou d'appeler ou de passer un appel téléphonique. Sur le plan du coût, les forfaits Internet, les crédits de communication, appels, n'ont connu aucun allègement. Au contraire, certains services comme les forfaits Internet ont vu leur validité écourtée et pour la possibilité de les renouvellement avant expiration simplement écartée. Bien plus, les comptages du temps de communication par appel, par exemple, demeurent non conformes à la vérité. Ainsi, un utilisateur peut se procurer de 3 minutes et n'a pas la pleine possibilité de communication en 180 secondes. Un autre qui s'est procuré un forfait de 100 MB. Un autre qui s'est procuré le forfait de 100 MB voit épuiser en quelques minutes l'utilisation. Cela pose un vrai problème d'honnêteté de l'opérateur Airtel. À la Louja ! À la Louja ! Sur le plan de la double transaction, de la double taxation lors des transactions via Airtel Money, nous sommes heureux de constater que cette pratique malhonnête a cessé dans certains shops et nous en félicitons. Néanmoins, la hausse vertigineuse du coût des retraits d'argent via Airtel Money est inquiétante et va même à l'encontre des engagements de l'opérateur Airtel à baisser les coûts de ses services ainsi que la suppression des frais de transfert entre clients, une mesure qui n'a duré que quelques mois. À la Louja ! À la Louja ! Du côté de la lutte contre la criminalité, facilitée par les réseaux Airtel, il se constate toujours des kidnappings, escroqueries et autres actes infractionnels commis via les réseaux Airtel. Cette situation est entretenue par un déficit de partage rapide d'informations nécessaires à la justice, détenteur de la SIM et géolocalisation, mais aussi par une mauvaise politique de vente des SIM par les revendeurs Airtel. En effet, un enregistrement complet de l'utilisateur est basé sur une pièce d'identité valide. Une pièce d'identité valide devrait être un préalable incontournable à la livraison de la carte SIM. Malheureusement, aucune rigueur n'est observée de ce côté-là. Des SIM non enregistrées et ou dont les détenteurs ne sont pas connus avec précision sont nombreuses, de quoi faciliter la criminalité via les réseaux Airtel et ses services. Le tableau peint si haut est sombre, mais pas irréversible. Il dénote clairement une arrogance inouïe et une moquerie envers le peuple congolais. Cela doit cesser. Nous invitons ici l'opérateur de télécommunication Airtel Congo, à travers lui, tous les autres opérateurs de téléphonie mobile œuvrant en République démocratique du Congo. Premier point, améliorer sensiblement la qualité des services offerts. Internet, appels téléphoniques, SMS, mobile banking. 2. Réduire les coûts des services offerts
en vue de les adapter au pouvoir d'achat des Congolais et à l'éthique commerciale. Internet, appels téléphoniques, SMS mobiles et mobile banking. 3. Systématiser l'identification complète de l'utilisateur avant toute vente de la carte SIM et d'actualiser à la base l'identification des utilisateurs existants. Que soit pour RTL, que ce soit pour RTL ou pour tout autre opérateur, ces revendications ne sont de l'ordre du réalisable. Il faut cela de la volonté et un sérieux travail managérial en amont. Si les revendications susmentionnées ne sont pas prises en compte, nous serons dans l'obligation de reprendre, poursuivre et d'intensifier à travers le pays les actions citoyennes pacifiques et non violentes auprès de RTL et d'autres opérateurs économiques du secteur. Des régulateurs du secteur, c'est-à-dire les ministères, l'RPTC et l'OCPT, ainsi que des consommateurs. RTL a le choix entre cet opérateur économique impénitent qui abuse de son pouvoir financier pour escroquer et appauvrir notre peuple, ou cet opérateur économique qui est à l'écoute de sa clientèle et qui, à côté de la recherche du gain juste, contribue à améliorer substantiellement la vie des Congolais. Fête à Goma, le 9 septembre 2019, pour la Lucha, la cellule de communication. À la Lucha, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. À la Lucha. À la Lucha. Alors, ça y est, tu n'as qu'à inviter Moukoua RTL, tu m'as passé un mémorandum et tout. Kisha, koukou ma question de n'y a pas de JVA, apa. Nini, surtout que ça, que tu as mis, nini, il a bloqué. Ça, c'est moi, je ne sais pas si tu es innocent. Tout à l'heure, nini, quand tu as mis. Si vous voulez toi, la population. RTL, 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 beaucoup. Excusez-moi. Ok. Merci. On a écouté. Oui, comment vous réagissez par rapport à ça? Je ne réagis pas. Je dis merci. Au revoir. Ces accusations de la Lucha, c'est son vœu. Il faut avoir une preuve pour accuser. Si vous avez un outil pour vérifier que la qualité est mauvaise du réseau, évaluez et venez vers nous. Mais c'est pas la première fois qu'il a Lucha. Deuxièmement, si vous dites qu'RTL Money, ok, le prix où vous vous plaignez de RTL Money, allez dans nos kiosques. Vous allez faire votre RTL Money gratuitement. Ok, vous allez déposer votre argent, on ne va pas vous faire une double facturation. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a encore un point? La connexion internet, quand vous parlez de la connexion internet, vous parlez de quoi? Ok? Si vous dites qu'elle est mauvaise, vous l'avez évaluée avec quoi? Évaluez et revenez avec des éléments probants. Parce que si vous passez votre temps à dire la qualité est mauvaise parce que vous avez un mauvais téléphone, RTL ne peut rien. Si vous avez un téléphone qui marche, un smartphone qui marche, vous avez une meilleure connexion, la meilleure de toute la RDC, la meilleure de toute la région du Kivu et la meilleure aujourd'hui partout. Ok, donc si vous avez un problème de réseau particulier, faites une requête sérieuse avec des éléments sérieux pour qu'on aide à améliorer la qualité de réseau dans votre secteur. Monsieur le vous minimisez la Je prends une dernière question et puis c'est bon. Monsieur le directeur, on peut dire que vous minimisez l'action ou bien c'est un non-événement pour vous? C'est un non-événement parce que la qualité du réseau est bonne. Vous avez RTL Money partout. Vous pourrez voir des kiosques partout et on continue à déployer. Donc si il y a un quelconque problème, vous documentez le problème, vous venez et on aide à trouver une solution. Merci, c'est la dernière question. Ça se joue à ni Lucha, ni RTL, tout le bien à Petit Kanaka. Il est un jeune à la base. Que mon soutenir et marcher à Lucha. Soutenir, on a pris à imiter, 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 on a pris à imiter
solidarité pour les Congolais, il faut aimer. Il faut 1 dollar, 2 000 francs. Je vous dis, est-ce que partout on a fait un peu de temps? Quand mon pays est étranger, soi-disant Rwanda, Rwanda, ça, il y a une idée, il y a 100 francs. On a un gars qui a fait jusqu'à pas qu'on a fait une connexion, il y a un cantique, réseau, il y a un. Donc, on a dit qu'on a fait un peu. Mais pour chier, ça, il y a une idée, seconde, il y a une chose comme ça, comme on le disait. Vraiment, tu es retenu, je vais arrêter ça. Je vous dis, toi. Munaomba sema munaomba nini sasa kwa ku viongozi naomba kwa viongozi washikaze warudishe bashirudi yako vraiment bashange kila kitu tunachoka sana na hii mabri hapo kupandisha juu. Asante.